des tôles bleues démontées, des palissades retirées. L'heure est au repli du chantier au niveau du saut de mouton, situé au carrefour du boulevard du 30 juin et de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans la commune de la Gombe. Ici, les travaux sont finis, exécutés à 100%, nous confient les ingénieurs rencontrés sur place. L'imposante infrastructure qui trône en plein cœur de cette emblématique route est enfin sortie de terre. Ce joyau, long de 300 mètres, capable de supporter jusqu'à 120 tonnes, et à deux sens de circulation construits en béton précontré, devra fluidifier le trafic et résoudre l'épineux problème des embouteillages sur ce tronçon. Un ouvrage achevé et dont le coup d'accélérateur de travaux avait été donné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces différentes missions de suivi et d'évaluation ont boosté l'exécution de travaux. De 95% à la dernière visite sur ce site en début du mois de mai, le taux d'exécution est passé à 100%. De quoi réjouir les Quinois rencontrés à quelques encablures de ce pont. En tout cas, c'est un travail appréciable. Et en passant même, je me suis étonné de voir qu'on enlève déjà les tôles. Donc les travaux sont bien déroulés. En tout cas, j'encourage le chef de l'État d'avoir pris cette initiative des 100 jours. C'est vraiment fantastique, c'est spectaculaire. Hein. C'est la première fois qu'on voit un truc de pareil à Kinshasa, en fait, ici en RDC. On voit très souvent ça à la télé. C'est vrai que ça a traîné, c'était dans le programme des 100 jours du gouvernement. Ça a traîné, il y a eu des problèmes, les autres qui se retrouvent derrière le barreau. Mais enfin, on voit quand même une œuvre de grande qualité, de haute facture et en tout cas, c'est apprécié. D'après vous, ce saut de mouton pourra résoudre quel problème? Premièrement, je pense que d'abord les embouteillages, surtout avec des fois le comportement de nos taximens. Ça pourra aussi nous faire gagner un peu en temps, parce que tous ceux qui passent par, qui vont vers la gare centrale et ceux de 24, l'autre là pourra passer directement au-dessus, ça l'éviterait quand même quelques secondes et ça, voilà, donc ça va nous gagner un peu en temps. En tout cas, coup de chapeau au président de la République. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On ne construit pas un pays dans un seul mandat. C'est la continuité des services publics et on est très très content. On l'encourage davantage, qu'il aille de l'avant et qu'il investisse vraiment dans des projets à impact visible comme celui-ci. C'est vrai que ce n'est pas la fin, c'est une petite chose, mais le petite chose reste et demeure de petites choses. Et l'attachement aux petites choses est une grande chose et tout. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça parce qu'il y avait déjà quelques temps passé, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de mouton comme ça, on voit directement lui. Vraiment, félicitations. À quelques kilomètres du boulevard du 30 juin à Kintsukapompage dans la commune de Ngaliema, se trouve un autre saut de mouton complètement terminé. Exécuté par l'entreprise Crekwit sous la supervision de l'office de voirie et drainage, ce viaduc va désengorger le rond-point Pompage en facilitant le trafic dans ce quartier populeux. D'une longueur de plus de 200 mètres et d'une largeur de 8 mètres, l'ouvrage donne absolument à voir. Des informations recueillies sur place, seuls quelques ajustements, notamment dans la construction de voies complémentaires, l'érection de parkings et l'assainissement de lieux restent à réaliser autour de cette infrastructure.
L'implication du chef de l'État s'est faite ressentir également dans l'évolution rapide des chantiers dont les travaux piétinaient plusieurs mois après leur lancement. Depuis quelques mois en effet, le chef de l'État s'est impliqué personnellement en faisant un suivi permanent des chantiers, boostant ainsi les travaux dans presque tous les chantiers de sauts de mouton ouverts dans la ville. Au rond-point Socimat par exemple, où les fameuses tôles bleues ne rassuraient plus, l'architecture a maintenant pris forme. La première partie constituée de la rampe est presque achevée. Le gros de l'œuvre fini et la poutre métallique déjà installée. À ce niveau, il ne reste que la poursuite du remblayage. Quant à la seconde partie, les ouvriers qui travaillent d'arrache-pied s'attellent à faire la fondation ou la semelle de la culée. Il s'agit là de la dernière étape avant de réaliser l'autre rampe. S'en suivra la pose de poutres métalliques pour élier la première partie de la seconde. Une évolution positive constaté aussi au croisement des avenues X-24 Prince de Liège et Niangwe. Là aussi, les travaux s'exécutent sans désemparer depuis la dernière visite du chef de l'État. La première rampe qui jouxte vers la cathédrale Notre-Dame du Congo, longue de 192 mètres, tend vers sa fin et la structure métallique complètement installée. Un coffrage sera bientôt constitué pour couler le béton. Sur ce site, les ingénieurs font savoir qu'ils ont rencontré beaucoup de contraintes et affirment les avoir solidement contournées en allant de 20 à 24 mètres de profondeur. Le gros œuvre déjà réalisé, un optimisme se dégage quant à l'issue heureuse et rapide de travaux. Et enfin, sur la longue route reliant la ville à l'aéroport international de Ndjili, dans les districts à grandes agglomérations de la capitale, trois sauts de mouton longent cette artère dédiée au héros national Patrice Emery Lumumba.
les chantiers connaissent une avancée appréciable des travaux. À Debonhom, les ingénieurs de l'entreprise Safricas se félicitent d'avoir achevé la base de l'ouvrage, autrement le plus dur à faire. La superstructure qui relie les deux parties de l'ouvrage est déjà installée. Tout a évolué, c'est un angle normal. Tout le monde a travaillé, on va travailler la carte à saut de mouton. On va quitter Moussala et ça est normal. Par rapport, n'engue ça la carte bandit. Mais n'est tout le monde encore à le présent. En tout cas, tout ce pays marque différent à Moussala au bas du Sala. Tout le monde a mis ses hommes la matière et les soyeux cana. Bon, on a pressé Banda. État des deux autres à Moussala n'engo. Si qu'on est au moment là que Moussala les a évolué bien par rapport n'engue ça la qui. Pour la minute où mon président a suivi, nous les autres qui ont avancé bien à Toketi, à Pascal, en tout cas 5-6-5. Si vous m'accompagnez, la spécificité de viaduc érigé dans cette partie de la ville, c'est la largeur, 14 mètres devant une circulation à 4 sens, 2 à l'aller et 2 au retour. À ce rythme, rassure les ingénieurs, l'ouvrage pourra être livré d'ici le 30 juin prochain. Des assurances et de vœux légitimes pour les usagers de ce boulevard qui n'ont que trop souffert des embouteillages causés par ce chantier. Bonne chance, Nzambe Alikolo, Amonae, la Misala, Oyazusa, la Pena Maele, O Nzambe, Apesie, Asala, Yangou. Parce que, tout mon acquis, tout qui va mirmir, oh, Mbongo, et mon alakite, tout qu'on sort là, va escourir qui Mbongo, la O Moussala et Télémac. Mais pour finir, tant que mon réalité, en même temps, chef de l'État, les gars qui, tout mon aïe, a sali suivi, a sali costa, banda leki, batnous, tout va comme fort. En plus, ceux qui est sili, tu vas les 30, tu vas sepe, la Mona qui va te barrer, satisfait. Il y a un peu de temps, il y a courage à continuer Moussala. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de avant de faire la vie sociale, il y a un peu de temps. La cadence est la même sur tous les autres chantiers. Le dévouement est au rendez-vous. Une motivation qui transparaît dans les allures des ouvriers comme à l'exécution de la tâche. Au passage du chef de l'État, des instructions claires et précises avaient été données pour notamment une meilleure prise en charge de travailleurs. Les résultats sont éloquents et les peines endurées pour parcourir ce tronçon ne seront bientôt que de vieux mauvais souvenirs.